Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Comme vous voyez, c'est l'équipe de l'adversaire. Et là, le match commence. Donc, le thème de la vidéo, c'est ne perdez jamais espoir. Vidéo un peu motivation sur ce FIFA 20. Donc, un adversaire qui était plutôt bon. Et moi, le gros défaut que j'ai depuis des années, c'est que j'entame mal mes matchs parce que chaque adversaire a des compos différentes. Et le problème, c'est que du temps que je m'adapte à l'adversaire, voilà, 13 minutes, il y a déjà deux buts, deux attaques. Voilà, je défends très très mal. Et c'est mon gros problème. Il me faut un temps d'adaptation pour savoir quel style d'adversaire que c'est, s'il faut que je modifie ma compo en cours de match. Puis après, j'ai compris, voilà, au bout de 15-20 minutes, un peu le style d'adversaire que c'était. Mais il faut que je presse au plus vite parce qu'il y a déjà deux buts, ça peut aller très vite. Et voilà, la pépite italienne qui est exceptionnelle, hein, comme je le dis assez souvent, Belotti, voilà, premier but de Belo dans ce match. Et l'adversaire est très bon et Belotti qui a une autre tentative et qui la rate, c'est tellement rare qu'il rate. J'aurais dû peut-être taper en force, j'ai voulu l'enrouler et Belotti quand je tape en force ça va, c'est largement mieux. Après c'était un match assez serré, il y a eu des buts au début du match mais après c'était assez serré. Là voilà, Belotti exceptionnel, deuxième but de Belotti hein, pour ceux qui hésitent encore à le faire et qui a une Serie A, hein, voilà. Là, je fais le mauvais choix. J'ai voulu faire un drag back alors que j'aurais pu avancer et tirer, mais je pensais qu'il avait temporisé ce que j'allais faire, mais non. Mais je me suis loupé, dommage. Et l'adversaire qui était bon, hein, il m'a posé dans son style de jeu, il m'a posé énormément de problèmes, surtout la première mi-temps. Voilà, je galère à défendre. Je suis mal positionné, c'est dégueulasse. Quand je revois, je C'est surtout la première mi-temps, j'ai eu énormément de mal à défendre. Et aussi, voilà, il a bien joué. Hein. Comme là, voilà, sur ce coup-là, j'ai énormément de chance parce que ça aurait pu faire 3-2. Et sur ce coup franc aussi, parce que je place bien mon joueur. Parce que bon, le gardien, on sait comment c'est à FIFA. Autant il aurait fait une bourde et je m'aurais pris le but dans la Lulu, quoi. Donc après voilà, il a des occasions, mais sans tirer en fait. Parce que la défense en deuxième période, voilà, je suis toujours là. Voilà, je mets que les séquences intéressantes parce que le match était vraiment, c'était une bataille au milieu de terrain sur la seconde période. Et voilà, une occasion avec Belotti et une occasion avec Belotti, ben, ça fait but. Une occasion avec Belotti, voilà. Son ratio, c'est 4 tirs, 3 buts sur ce match. On va dire que c'est un de ses plus mauvais ratios parce que normalement, quand je tire, je marque avec Belo. C'est très rare que je rate. Mais très beau match, hein, triplé de Belo, de Belotti. Voilà, mon coup de cœur, comme beaucoup c'est. Et voilà, c'est un match que je perdais très tôt 2-0. J'aurais pu faire un rage quit et me dire, ah, il est perdu. Et non, ben j'ai insisté, j'ai persévéré dans ce match. Et voilà, ben, grâce à ça, je finis par gagner le match 3-2 alors que je perdais 2-0. Bien sûr que voilà, Belotti, c'est une game changée. Sans Belotti, j'aurais sûrement perdu le match parce que j'aurais pas mis tous ces buts et j'en suis sûr. Donc voilà, on est en fin de vidéo, petite vidéo originale. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Bye bye!